Je suis Delphine Six et je suis glaciologue au laboratoire de glaciologie à Grenoble. Et on est venu ces deux jours avec l'équipe de Pau pour faire des relevés du suivi du glacier de St Sorlin. Glaciologue à faire des relevés sur le glacier de St Sorlin et passer deux jours au top dans la montagne. Alors là on est sur le glacier de St Sorlin, hein, ces deux jours, mois de juillet, et on vient relever depuis maintenant presque 60 ans le glacier de St Sorlin pour suivre son évolution, comment il répond au climat. Et on a une année très particulière parce qu'on est quand même fin juillet. Et tous ensemble, on a pu goûter la neige jusque pratiquement du haut jusqu'en bas du glacier. Donc c'est une année très enneigée. Et ça, c'est plutôt sympa pour les glaciers. On est au premier point. Il y en a 40 à faire. Alors ce qu'on a fait pendant les deux jours, hein, c'est relever des jalons qui sont implantés dans le glacier. Et donc on a une quarantaine de points en fait sur ce glacier, depuis le front du glacier jusqu'au sommet de l'étendard, que notre vaillante équipe de Pau a gravi ce matin de très bonne heure. Good. Putain, on a été trop efficace quoi. Le 9 il est plus autant décalé, il est revenu un peu vers là. Donc dans le... Il est plus là ? Ouais, il est plus, plus dans la pente. Ok, bah écoutez, finissez bien votre petit travail parce qu'à priori vous travaillez. Bah oui. Là maintenant on y va là. On est pas en vacances. Hein. On a bien compté. Oui. Et donc, à chacun des jalons, on en relève l'émergence, la couleur, et puis ensuite on. Évidemment, on fait des tas de petits calculs pour savoir quel est l'état de santé en fait, du glacier plusieurs fois dans l'année et ce depuis pas mal d'années maintenant. Du coup, là, on est à la 10, donc c'est la plus haute sur le glacier. Et puis, on doit relever la couleur parce que du coup, il y a plusieurs bâtons qui sont relevés avec des couleurs différentes. Ça va jusqu'à 10 mètres et du coup, là, on dit que c'est la bleue. Puis après, on va mesurer la longueur qui est émergente. Grâce.
Grâce à la sonde que Colline grâce à la sonde que Colline a préparée. Exactement. C'est vrai. Reconvertible. Non, là, on ne dirait pas. Le glacier de St Sorlin, il n'est pas différent des autres glaciers des Alpes, hein, évidemment. Il perd à la fois du volume, il perd de l'épaisseur, il perd de la longueur, donc il se raccourcit et il perd surtout pas mal de volume. L'année 2015 avait été catastrophique pour les glaciers. Et là, 2016, on se dirige vers plutôt une bonne année, parce qu'il est encore recouvert de neige de l'hiver. Donc on a eu finalement un hiver assez enneigé, en tout cas à ces altitudes-là. Donc ce qui est plutôt bon pour l'état de santé du glacier, une année un peu de sursis, on va dire. Ouais, tous les rayonnements, on essaie de comprendre comment le rayonnement solaire, atmosphérique, l'humidité, le vent joue sur la fonte de la neige et de la glace. Ceux en bas de la pente, là, il y a deux ans, ils n'y étaient pas, quoi. Donc, c'est à vue d'œil. Pareil, tout en haut, là, sur la... Sur l'arête, ouais. C'est impressionnant en vrai été, enfin je veux dire quand il n'y a plus de neige de l'hiver, c'est impressionnant. Ça fait une grosse différence quoi. Non, nous on a relevé 5 et elles en ont relevé 40 au total. C'est la première fois que je pouvais retourner en montagne et puis après ça donne une autre dimension qui a pas, enfin pour moi qui j'ai pas l'habitude d'avoir cette approche, du coup c'est chouette d'avoir un autre regard sur le milieu dans lequel on évolue normalement. En tout cas en freestyle, c'est clair que c'est pas la pratique la plus écolo parmi toutes les pratiques du ski quoi, mais ouais, ce serait bien que tout le monde arrive un peu à avoir ça dans la tête et à faire des efforts dans ce sens-là. Ouais. Extrêmement rare, mais quand même, 4 filles glaciologue sur 4, là je crois qu'on a battu des records. Et 2 stagiaires quand même compétentes. Ouais. Et 2 très compétentes. Et on se marre bien. Là-bas, pour faire pipi, de l'autre côté. Il est bon ce chocolat. Le carburant. Ouais, mais les Belles Dunes, c'est la montagne des. Belles Dunes, c'est la montagne des Grenoblois. Non, je rigole, il viendra un jour.